Les amis, l'heure est grave. Aujourd'hui, je suis emprisonné dans une prison sur Fortnite. Qu'est-ce que j'ai encore fait, les gars, pour me retrouver dans cet endroit? Mais je ne suis pas tout seul. Regardez, il y a Kefko juste là-bas. Ça va ou quoi? Allez, mon fils, je suis coincé. Ça va, mais je sais pas du tout comment on va sortir. Les gars, vous l'aurez compris, notre but, c'est s'échapper et sortir d'ici. Bon, moi, j'en ai marre d'être enfermé dans cette prison, Jean-Fils. Je vais tout casser ici avec mes gros muscles. Mais de... mec, quoi? Comment t'as fait pour ouvrir ta porte, mec? Je sais pas, j'ai tapé partout, ça l'a ouvert. Attends, je viens te voir. Attends, non, non, vas-y, dis-moi comment en faire, mec. Il faut frapper sur le chiotte. Bah alors, Jean-Fils, on est coincé. Non, oh, c'est bon. Let's go. Ça fait déjà une étape de fête qui nous rapproche de notre liberté, mec. Ça, c'est cool. On a des leviers juste ici. Il faut l'activer, mec. T'es prêt ou pas? Allez, let's go. Mais avant toute chose, bombardez cette vidéo de pouces bleus. Je compte sur vous, les gars. N'hésitez pas et n'oubliez pas aussi de mettre le code créateur Jean-Fils dans la boutique Fortnite. C'est parti pour soulever le levier. 3, 2, 1, boum. Let's go. Let's go. On passe déjà au deuxième niveau. T'es passé où, Jean-Fils? Mec, je suis juste là, mec. T'as vu? Il est juste en face. Entre moi, j'ai une grosse porte qui me bloque. Oh, oh. J'ai une canette. T'as une canette? Vas-y, donne-moi ta canette. Monte ta tête, monte ta tête. Aïe, t'es sérieux, mec? Alors, qu'est-ce que je peux faire avec cette canette? Oh, j'ai une cible juste ici, attention. Oh, c'est ouvert, oui, ouvert la porte. Oh, c'est trop bien, les gars. On doit s'entraider pour avancer. Par contre, là, il me faut une clé, Jean-Fils. Je sais pas du tout ce que je dois faire. Alors, où est-ce que je pourrais trouver une clé, mec? Bah, moi, je t'avoue que je suis en train de chercher partout, mais je trouve absolument rien. Mec, j'ai activé un levier. Oh, nice, c'est bon, je peux ouvrir ma porte. Oh, attends, je peux monter là en haut. T'as trouvé quelque chose? J'ai une petite clé ici. T'as trouvé une clé? Oh, mec, ça tombe bien. Moi aussi, j'ai besoin d'une clé. Attends, où est-ce que je pourrais trouver? Oh, il y a un panneau là. Oh, ok, c'est bon, j'ai une clé, mec. Allez, je suis descendu. T'as trouvé aussi ta clé? Ouais, mec, normalement, tout devrait bien se passer. Ok, ici j'ai un levier pour t'ouvrir, mec. T'as vu ça? Oh, merci, Jean-Fils. Mec, c'est vraiment un travail d'équipe, mec, pour pouvoir s'échapper d'ici. J'espère vraiment qu'on va pouvoir sortir parce que ça m'inspire pas confiance. Et là, on est seulement au premier niveau. À mon avis, ça va bien se compliquer par après. Mec, pour ouvrir la prochaine porte, il nous faut un poulet rôti, une pomme et un baril d'explosifs. Déjà, si ça commence à exploser, ça sent pas du tout bon, Jean-Fils. Mec, oh, attends, j'ai trouvé quelque chose ici. J'ai trouvé un fusil à harpon. À quoi ça peut me servir? Harpon, mais c'est pas du tout ça qu'on avait besoin pour ouvrir la porte. Hey. Attends, ça me sert à te harponner là. Alors, à quoi ça peut servir? Oh, attends, j'ai trouvé quelque chose là. Oh, j'ai trouvé le poulet rôti. T'as trouvé le poulet? Oh, viens, on le mange. Et moi, j'ai trop faim, Jean-Fils. Y en a un deuxième ou pas? Mais non, mec, il faut pas manger. On va l'utiliser pour pouvoir ouvrir la porte juste ici. Hop, ça c'est fait. Il nous faut une pomme. Ah oui, c'est vrai. Toi, tu voulais direct manger. Mais comment tu crois que j'ai autant de muscles, Jean-Fils? Il me faut des gros poulets. La pomme, je te la laisse. Oh, la pomme, elle est juste ici, mec. C'est bon, je l'ai trouvé sur la table. Mais Jean-Fils, il est trop fort, les gars. Il trouve tous les objets. Moi, je suis perdu. Alors, le baril d'explosifs, où est-ce qu'on pourrait trouver ça, mec? Mais comment on passe à côté d'un géant baril d'explosifs? On devrait le voir à des kilomètres. Mais mec, la map, elle est vraiment pas facile, hein. J'espère. Oh, t'as trouvé? Si. Mais regarde comme il est petit, là. Ah ouais, j'avoue, il est pas énorme. Boum, c'est bon. On a ouvert la porte et on passe au niveau suivant. En vrai, on se débrouille plutôt bien, hein. Mais ouais, mais en plus, elle est trop bien, cette map. J'ai tellement envie de m'échapper. Entre là, la salle de sport, j'ai l'impression que ça commence à se compliquer. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir s'échapper? Oh, attends. Là, il y a des intéressés. Oh, ah, qu'est-ce que ça fait? Mec, il y a une fuite d'eau. C'est une grosse fuite d'eau, là, Jean-Fils. Ok, il y a un énorme levier. Hop là. Okay. Oh. Il a pas perdu de temps. On vient de passer au niveau 5, mec. Comment on va faire pour s'échapper d'ici? Déjà, on est vachement observé. T'as vu les caméras qui nous regardent? Il y a un miroir cassé. Ouais, j'avoue, il y a plein de caméras, là, les gars. Attends. Oh, je l'ai cassé. Je l'ai cassé. Tu as cassé. Au moins, personne va nous regarder, Jean-Fils. Alors, peut-être aller sur l'ordinateur. Non. Oh, attends. L'ordinateur, il a vécu, hein. Oh, mec, il fallait tout simplement casser les caméras. Je les ai cassées toutes les trois. Et regarde, le chemin est libre. Les gars, je suis tellement inutile. J'étais en train de taper sur l'ordinateur. Jean-Fils a trouvé la sortie. Alors là, la prochaine solution, c'est quoi? Il nous faut des objets, j'imagine. Et c'est une clé. Mec, il faut trouver la clé. Oh, une clé. Mais j'ai trouvé déjà trouvé. Eh, je vous jure, les gars, je triche pas, les gars. Je suis juste trop fort, en fait. On va s'échapper en 5 secondes. Ça va être incroyable. Dis-moi maintenant en commentaire, est-ce que tu penses qu'on va réussir à s'échapper de cette prison? Je sais pas si tu sais, Kefko, mais des prisons sur Fortnite, j'en ai évadé des dizaines et des dizaines, donc t'inquiète pas, je suis un professionnel. Mais apparemment, celle-là, elle va devenir vraiment compliquée. C'est pas parce qu'on a réussi les premiers niveaux que c'est bon, on est sorti d'affaires, Jean-Fils. Oh, mec. Mais elle est trop bien, cette prison. Oh, tiens, une caméra en haut de nouveau. Regarde juste ici, on a un terrain de basket. Alors, un truc que j'ai et je suis sûr que tu n'as pas, c'est ceci, mec. Regarde. Montre-moi, c'est quoi? Mec, t'es vraiment pas prêt. Attends, attends. Hop, hop. Hop là! Oh, il a un ballon de basket! Eh oui, attention! Est-ce que je vais réussir à mettre un goal? Mec, attends. Oh, tu veux voir ce que j'ai? T'as quoi? Hop! J'ai une nouvelle danse! Ah! Ah, d'accord. Oh, les gars, je suis trop en noob. Ouais, franchement, ça me saoule. T'as tellement d'émotes. Eh oui, les gars, regardez-moi ça. Comment je suis trop fort en basket sur Fortnite. Boum! Vas-y. Attends, j'ai une deuxième danse. Oh, le couteau! Mec!
bière, quoi, ça? Mec, c'est quoi cette bière? T'as dansé devant un panneau, ne pas danser, du coup ça a fait apparaître une pierre précieuse. Mec, elle va sûrement nous être utile pour pouvoir s'évader, mec, il faut vite la prendre. Ah c'est sûr, mec, je suis trop un rebelle, en même temps je suis Hulk, j'ai dansé devant le panneau, interdiction. Au final ça a payé, par contre, c'est où la sortie, Jean-Philippe? J'avoue, t'es vraiment un thug en fait, mec, attends, c'est quoi cette zone bizarre? Mec, regarde, la pierre, il faut la mettre juste ici, et on a besoin de deux autres batteries. Quoi, une batterie? Deux batteries? Comment on va faire? Bah alors, je sais pas, il y a une zone juste ici. Oh, ouais, j'ai reçu une canette. Attends, mais qu'est-ce que j'en fais de cette canette? Oh, attends, mais c'est bizarre. Hey, t'es sérieux de me frapper avec la canette? Allez, peut-être c'est ça qui va nous donner le moteur. Oh, attends, j'ai une idée, mec. Est-ce qu'il faudrait pas mettre la canette dans le panier, tu penses? Mec, en vrai, il y a grave moyen, mais attends, c'est impossible, faut qu'on se rapproche. Vas-y, non, ouais. j'essaye de mettre la canette dans celui du droite. Oh oui! Mais quoi? Mais moi, j'ai plus la canette. Attends, mais comment t'as fait? Mais tu dois rester dans la zone, mec, tout simplement. Attends, mais c'est trop dur. Comment t'as mis le panier? C'est quoi? Attends, je vais essayer l'autre panier, moi. Vas-y, essaye l'autre panier, mec. Oh, non, j'ai vas-y. Réussi ou pas? Non, non, t'as pas réussi de mettre dans le trou. Mais c'est trop dur, c'est trop dur. Vas-y, à ton tour. Oh, j'ai la canette. Oh, mais c'est de la triche là, ce que tu fais là. Eh, hey, tu la récupères à chaque fois. Ah, je l'ai mis. Attends, peut-être que le prochain objet on a en tirant dans l'autre panier. Là, j'ai l'impression qu'il y a rien qui sort, mais regarde, il y a la caméra aussi là en haut. Oh, attends, j'essaie de casser la caméra. Non, ça marche pas, mec. Attends, c'est quoi ça? Je sais ce qu'il faut faire, je pense, Jean-Fils, il faut que je te la tire dessus en pleine tranche. Eh, tu veux vraiment faire la guerre des canettes, mec? Il faut pas jouer à ça avec moi, mec, hein. Oh, t'as trouvé. Let's go. Aïe aïe, n'importe quoi. Eh, Jean-Fils, on s'évade de cette prison, mais vraiment on a trop de chance. Faut vite s'évader le plus rapidement possible. Moi, j'en ai marre de me faire emprisonner pour aucune raison. Surtout, il faut pas qu'ils remarquent qu'on s'enfuit, Jean-Fils. Et sinon, ils vont nous arrêter et nous tirer dessus, les gardes de la prison. Ok, j'ai trouvé un feuillage, une plante. Ok, je vais la mettre juste ici. Bam. Ah ouais. Et là, il nous manque du duct tape. Duct tape, c'est quoi ça, Jean-Fils? Bah, c'est du tape de canard. Oh, attends, c'est quoi ça? Hop. Ah, c'est du scotch. Ouais, exactement. Oh. Regarde, je suis dans l'horloge de Tilted Tower, mec. Oh, il est là, le duct tape. T'es rentré dans l'horloge, mais c'est incroyable. Mais mec, je t'ai dit, Allez. Je suis un professionnel de l'évasion. Je connais tous les tips et tricks pour pouvoir s'évader. Ah bah c'est vrai que là, il faut que je t'appelle, hein. Si je suis en prison plus souvent, oh là là, là c'est mon endroit, oh, Jean-Fils. J'avoue, là j'ai une planche. Cette barre, je te la soulève avec le petit doigt. Ouais, tu fais le malin, mais je suis sûr, je suis plus fort que toi au bras de fer, mec. Ah ouais, ça doit être ça. Bon allez, on va s'évader plutôt parce que là, tu racontes n'importe quoi. Il faut encore de l'explosif, Jean-Fils. Et oui, et regarde, si tu ouvres bien tes yeux, regarde, il y a quelque chose de bizarre dans ce mur là. Je trouve aussi. Oh, là, il est plus gros l'explosif. On va faire une explosion. Ouais, j'espère qu'on va faire péter la prison à la fin. Oh là là, incroyable. J'avoue, ça serait incroyable qu'on se barre en pétant la prison. Oh, et j'ai trouvé le blé juste ici. Ok, magnifique. On va pouvoir ouvrir la porte, les gars. 3, 2, 1, bim. C'est bien ça. C'est trop facile. On est déjà à la moitié de la fuite de cette prison. Oh non, mais regarde, Kefo, il y a d'autres cellule juste ici avec plein d'autres prisonniers. Oh, ici c'est la cellule disco carrément. Là, c'est la disco. Allez, on danse. Allez, on danse. Magnifique. Oh, t'as récupéré un gland, mec. Une noisette. Non, ça c'est un gland, mec. Non, non, c'est une noisette, Jean-Fils. Qu'est-ce que tu me racontes là? Hey, on va pas se battre pour ça maintenant. Il faut s'enfuir de la prison. Allez, on fouille toutes les cellules. Attends, je suis pas trop d'accord avec toi. Ce que tu viens de récupérer, c'est un gland. C'est pas une noisette. Mais mec, là, je crois qu'il faut le dire dans les commentaires. Est-ce que c'est un gland ou une noisette? Non, mais ça c'est le fruit du chêne. Alors que une noisette, c'est le fruit du noyer. Sauf que ça ressemble pas du tout à une noisette. Gros, qu'est-ce que tu me racontes là? Il est en train de m'embrouiller le cerveau, Jean-Fils. Moi, je te dis que c'est une noisette et voilà. Ça non, restera non, comme ça. Je ne continue pas mon chemin tant que tu dis pas que c'est un gland. Je m'en fiche, moi j'ai trouvé le dernier objet pour ouvrir la porte et c'est du diamant. Oh non, 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 mais c'est abusé, tu triches. Oh attends, regarde, on a un téléphone. Oh, on va pouvoir contacter nos amis qui sont à l'extérieur de la prison pour qu'ils nous aident, mec. Attends, je vais en appeler un pour qu'ils ramènent l'hélicoptère. Ça va être tellement stylé. Non, mais c'est abusé le nombre de cellules qu'il y a dans cette prison, les gars. Mais comment on va faire pour s'échapper d'ici? J'ai trouvé une pomme, moi. T'as trouvé une pomme? Je suis tombé dans un trou d'un coup, franchement, j'ai même pas fait exprès. Moi, j'ai trouvé une crème glacée d'alien. Voilà, elle est toute verte fluorescente, c'est bizarre. Mais crème glacée, mais Jean-Fils, qu'est-ce que... Ça va nous servir à quoi pour nous échapper de prison, là, ce que tu fais? Honnêtement, je ne sais pas. Oh, attends, c'est quoi, là? Je vois un chou-fleur. Attends, comment je vais pouvoir... Oh, il y a un trou juste là. J'ai trouvé une crème glacée aussi. Ah ouais? Je la donne. Hop là. Oh, c'est bon, j'ai trouvé le moyen d'avoir de la salade. Magnifique. Attends, moi, pour ouvrir la porte. Oh, tu m'as dit, t'as trouvé quoi? Une salade et une glace alien. Ah bah, je crois que c'est ce que j'ai besoin. Ouais, ah exactement. Oui, ok, faut qu'on se donne chacun les objets. Attends, tiens, on ton crâne. Ah, hey, t'es sérieux, mec? Plus doucement. Non, franchement, il abuse quelque chose. Vous avez vu comment il se comporte avec moi? Ah, oh, ça va, on rigole. Qu'est-ce qu'il faut faire là,
passage gentil. Oh. Déjà, c'est très très joli comme prison. Hey. Mec, la prochaine pièce est sécurisée, mec, à l'aide d'un mot de passe. Aïe aïe aïe, mec, on n'a pas le mot de passe. Effectivement, on n'a pas le mot de passe, mais regarde comme on est bien ici, Jean-Fi. C'est pas une prison, là, c'est un hôtel de luxe 5 étoiles. Mais là, on est dans les bureaux des employés, mec. Là, normalement, si on se fait choper, on retourne direct en cellule. Avoue que je sais pas du tout s'il y a des employés. Oh. Oh, regarde en haut à droite sur la carte. Oh, c'est quoi tous ces points rouges? J'avoue, il y a plein de points rouges sur la carte, les gars. Mais attends, regarde, tu vois ce que je vois ici là. 4. Oh, c'est des diamants, moi, surtout ce que je vois bien. On essaie de voler ça. Non, 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 non. Pas plus de problème. Regardez. Oh, mais attends, okay, mais. J'avoue. Même là, il y a 4. Mais c'est quoi ça? 4 plus 3. Pour le code. Ça doit être le code. Ouais, regarde, quatre. Là, il y a 3. Après. Le prochain chiffre. Oh, là, là, là. Regarde, 1. C'est où que tu vois le 1? Là, 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 là. En face de tes voûtes. Ah oui, 1. Et ensuite. Et le prochain numéro, il est. Oh, il est là. 2. Donc, normalement, c'est 4, 3, 1, 2, mec. On va tester. Vas-y. Eh, franchement, si là, t'as raison. Mais je te laisse faire toutes les énigmes. Hein. 4, 3, 1, 2. Oh, oh, la zone grise. Bon, wow. Oh, mec. C'est quoi cet endroit? On est rentré dans l'arsenal, mec. Oh là là. On va pouvoir voler un maximum d'armes. Vas-y, moi, je te conseille de prendre l'ascar. Wow. Un fusil à pompe chargé. Oh, mais attendez, mais là, on est trop bien. Mais regarde ce qu'on a. Une carte de l'autorité. On va pouvoir se faire passer pour des agents de police, je pense, non? On va pouvoir se faire passer pour des gardes de prison. Oh, franchement, là, on a trop géré, mec. La vérité. Mais t'as vu toutes les armes? C'est trop stylé. Eh, on prend le maximum. Bon, mec. Essaye de tirer sur Jean-Fils. Hey, wow. T'es sérieux, mec? Allez, allez, c'est bon, c'est bon. Je rigolais. Mec, si tu continues comme ça, on va se faire choper. Il faut pas faire de bruit. Oh, j'avoue que je suis le pire prisonnier du monde. Heureusement que la pièce était insonorisée par ici. Regarde, c'est les mousses que j'utilise dans mon setup, mec. Ah bah j'avoue que sinon ça a été compliqué. Par contre, il nous faut une deuxième carte pour ouvrir la porte. Moi, j'ai que la verte. C'est la mienne. Là, il y a des gens. Les policiers. Tu les mec. Tiens pas dessus. Faut qu'on soit discret, Jean-Fils. Mais gros, on n'a pas le choix. Tire, 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 tire. Allez, on les allume. Oh, ils font mal, ils font mal. Ils font mal, ils font mal. J'ai un HP, mec. Non, non, non. Ok, couvre-toi, t'inquiète. Passe devant, passe devant. Allez, on les explose. Voilà, c'est bien, ça, Kefko. Magnifique, là. Let's go. T'as vu ça? On est trop les boss. On les a dégommés, bon. Mec. Mec, attends, 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 me dis pas qu'on va sortir de cette prison millionnaire. Là, j'ai bien l'impression. Oh, oh regarde, les gars, regardez-moi tout cet or. Let's go, on vient de le récupérer, les gars. On va pouvoir s'acheter plein de skins de Noël juste après cette révélation de cette prison, les gars. Ça va être incroyable. Ah ouais, là, on est beaucoup trop bien. Et j'ai déjà vu un petit objet caché. Je crois qu'il y a de nouveau du scotch ici. Ouais, si on passe déjà au prochain niveau, on est trop fort. Il nous faut du duct tape et une clé. Où est-ce qu'on va pouvoir bien trouver une clé, mec, par ici? On est carrément dans les vestiaires. Oh, bah attends, je l'ai trouvé directement, mec. Sans perdre de temps, elle était juste ici. Eh mais vraiment, on va s'évader en 10 minutes. Ça va être l'évasion la plus rapide du monde, Jean-Fils, sur Fortnite. D'abord, regarde, là, je te fais un bottle flip challenge. Ah ouais, t'es fort, hein? Non, je crois, t'es meilleur pour résoudre les énigmes des prisons. Ouais, mais tu me déconcentres, là, mec. Hein. Allez, je t'encourage. Non, mais allez, c'est bon, on va jamais pouvoir avancer, là. Eh, je te rappelle qu'on doit se dépêcher, Jean-Fils. Hein. Oui, allez, oui, t'es mais attends. Trop nul, t'es trop nul. Mais gros, pourquoi je sais plus faire de bottle flip? Oh, let's go, bottle flip. Ça, c'est validé. C'est trop stylé. On peut passer à la pièce suivante. Oh, non. Mais t'as vu tout l'argent qu'il y avait? Mec, ça nous a téléporté. On s'est retrouvé en cellule encore une fois, mais non. Non, on s'est fait choper, je crois, Jean-Fils. Mais non, mais c'est abusé, les gars. D'où on s'est fait choper? Mais on était trop bien. En même temps, on a été gourmand. On a voulu voler le pactole d'or, mec. J'avoue que là, il y avait énormément d'argent. Par contre, il me faut de nouveau une glace. Je comprends pas pourquoi ça nous libère des prisons, ça. Moi aussi, j'ai besoin d'une glace. Par contre, là, je suis dans un ventilateur de ventilation, mec. Ah ouais, j'avais pas vu les conduits d'aération. Oh, toi aussi, t'es dans un conduit d'aération, mec. Ouais, mais c'est un labyrinthe, là, le truc. Oh. On sort pas du tout. Mec, c'est bon, j'ai trouvé ta glace alien. Oh, mais j'ai trouvé aussi une glace alien. Allez, c'est parti, mec. Il faut absolument qu'on se l'échange. Comment on va faire, en fait, là? Je comprends pas. Ah, moi, je suis perdu dans les conduits d'aération. Ah, vraiment, je marche dans tous les sens. Oh, attends. C'est vraiment un gros bordel. Oh, t'es juste là, mec. Vas-y, tiens. Allez, dans ta... Oh, il a esquivé. Allez, let's go, les gars. Allez, tiens. Ok, merci. Non, bah tu... Comme ça, j'ai deux glaces pour moi, tant mieux. J'ai envie de rigoler. Reviens, s'il te plaît. Je te donne des V-Bucks. Combien de V-Bucks? Beaucoup. 200. 200 V-Bucks? Je peux m'acheter qu'une danse avec ça, c'est trop nul. Je peux même pas m'acheter un skin. 800 V-Bucks. Ok, 2000 V-Bucks. 2000. Ok, ça va, franchement, validé. Ok, vas-y, je te donne ta glace. Je rigole, jamais je vais te donner des V-Bucks. Quoi? Les gars, vous avez entendu, je vais me venger. Kefko, il ose me troll comme ça, franchement, ça, je n'accepte guère. Ouais, mais comment ça, je vais te donner 2000 V-Bucks pour que tu me rendes ma glace? Bon, en tout cas, merci, grâce à toi, j'ai réussi à m'échapper. Oh, wesh, c'est quoi ça? Oh non, j'en fais, hey, sois gentil, là. Il y a de la lave en dessous de moi, je sais pas ce qui se passe, mais... Attends, est-ce que là, je vais pouvoir me venger ou pas? Ça fait quoi si je vais sur la couleur rouge? Oh, il y a du rouge. Ça te fait une plateforme rouge, ok. Si je vais sur le bleu, ça fait quoi? Oh, il y a une plateforme
bleu. Ça te fait une plateforme bleue. Ok, j'avance doucement. Je te dis, quand tu peux sauter, je vais activer la prochaine plateforme, ok? Non, Geoffrey, je te fais pas confiance. Vas-y, vas-y, je vais sur la plateforme dans 3, 2, 1, vas-y. Allez, je te fais confiance. Je me suis vengé, c'est comme ça que ça marche ici. Il est sérieux, je t'ai fait confiance une fois mais pas deux. C'est bon, allez, maintenant j'attends. On est quitte. J'attends, je m'en fiche. On est quitte, c'est bon, maintenant je vais t'aider, je vais activer les plateformes comme ceci. Et normalement tu devrais gérer le Death Run comme ça, n'est-ce pas? Ouais, mais par contre, à quel moment on est quitte? Tu viens de me tuer dans la lave alors que moi je t'avais juste piqué ta glace. Non, tu m'as surtout volé 2000 V-Bucks, mec, ça se fait vraiment pas. Bref, allez, on passe à la suite. Oh, attends, c'est quoi ça? Il y avait l'histoire des V-Bucks, mais j'en fiche. Ça va pas se terminer comme ça. Oh, attends, j'ai trouvé un passage secret avec une baignoire en or. Oh, un petit jacuzzi. Oh, mec, il y a une pomme qui est apparue. On va choper notre coco. Alors, ça veut dire qu'on doit sûrement se l'échanger, mec. En tout cas, là, en vrai, on gère bien. Tu es un très bon partenaire d'évasion de prison. Ouais, c'est ça, il dit ça maintenant parce qu'il vient de me tuer avant. Tiens, dans ton crâne. J'avoue qu'une noix de coco dans un crâne, ça fait plus mal qu'une pomme. Ouais, mais par contre, là, il y a un gros bouton rouge. Bah ouais, va sur le bouton. Voilà, ça s'est fait. Faut aller juste avancer. Et en vrai, là, quelque chose, on se rapproche de plus en plus de la sortie de la prison, c'est vraiment cool. Ah ouais, j'avoue qu'on est super proche. C'est quoi ce conduit d'aération là? Est-ce que je peux m'enfuir? Oh mec, t'as une douche dans ta cellule, t'es trop bien mec. Ah toi t'as rien du tout. J'ai rien là, je suis vraiment pauvre ici. Il te faut quoi là? Oh, c'est moi, je dois t'aider. Là il me faut une vieille petite méduse, mec. Une méduse? Peut-être je dois danser sous la douche. Ah ouais, peut-être, on sait jamais. Par contre, cette pièce, je t'avoue qu'il y a que des cartons par ici. Oh, t'as trouvé un truc? Oh, regarde à ta douche, mec. Je me suis dit, mais c'est pas du tout le poulpe que tu voulais. Ok, t'es prêt? Allez. Oh, il est derrière au mur. Hop là, c'est parti, merci beaucoup. Oh, tu m'as ouvert la porte aussi, merci. Hein. Mais attends, mais c'est vraiment une dinguerie parce que si tu n'avais pas été là, Kefko, je n'aurais jamais pu m'en sortir. Ouais, mais sauf que moi, je pense que je vais aller m'échapper tout seul maintenant, Jean-Fils. Débrouille-toi. Non, tu reviens ici, t'es sérieux? Attends, tu veux vraiment que je me venge? Je t'avoue qu'en fait, ma porte, elle est fermée, donc j'aurais peut-être besoin de toi. Recule un petit peu. Vas-y. Oh. Voilà. T'es sérieux, mec? Non, tu fais pas ça avec moi. Non. Let's go. Allez, ouvre-moi maintenant, je suis bloqué. Non, bah on va continuer à jouer à ce jeu-là, hein, parce que tu joues depuis tout à l'heure à ça, mec. Je pense qu'on va jamais faire une seule vidéo, Jean-Fils, où on est en paix. Hein. Non, mais franchement, t'abuses, hein. C'est toi qui cherches aussi. Oh, j'ai trouvé. Hop, un bouton, magnifique, ça a ouvert pour toi. Eh bien, t'es vraiment plus rapide que moi, par contre. Là, ça doit être à moi de faire quelque chose. Bah, je peux te dire, ça va prendre plus de temps. Attends, il faut que tu frappes la différence, mec. Ah oui, regarde, on a la même pièce. Mais c'est le jeu des 7 différences, mec. C'est trop bien. Bah, attends, là, il y a des grosses peluches. Banane. Oh, j'ai la banane, moi. Ouais. Oh, polo. Il n'y avait pas la banane. Alors, moi, qu'est-ce que j'ai? Oh, là, direct. J'ai trouvé, regarde, la lunette, là. Je l'ai dégommé. Oh, il y a encore d'autres choses. Sûrement sur la table. Oh, sur la table. C'est ça comme mode de jeu. Quoi, sur la table? Regarde, il y a un verre que je n'ai pas, moi. Mec, c'est une dinguerie. Ok, on est au niveau 18. Oh là là, je vois la liberté là-bas. Ouais, c'est vrai qu'on voit du coup le ciel, mais j'ai bien l'impression que ça commence à devenir vraiment dur là, les énigmes. Oh, attends, regarde, j'ai trouvé un levier juste ici, mec. Oh là là, mais il est même pas caché. Oh. Mais par contre, il sert à quoi? Regarde là-bas. J'ai trouvé un sac poubelle. Mec, regarde, j'ai activé le levier là-bas. Il y a une trappe qui s'est ouverte. Vas-y. Oh, let's go. Tu m'as enfermé. Attends, mais c'est une dinguerie. Attends, ok, il faut que je réouvre. Ok, d'accord, je comprends. Du coup, il y a quoi à l'intérieur, mec? J'ai trouvé déjà un des objets, mais il nous manque par contre la planche. La planche. Alors, est-ce qu'on pourra trouver une planche à pain? Une planche, mais y a pas du tout de bois ici. J'avoue que c'est compliqué, hein, ça a l'air vraiment vide en plus. Hein. Pourquoi j'en fais, c'est une énorme dynamite ici sur l'écran, je crois qu'on va tout faire péter. À mon avis, il va falloir réussir à crafter une dynamite pour pouvoir s'échapper. Oh là là, j'ai tellement hâte de faire exploser cette prison qui nous retient depuis un bon moment. Oh, c'est bon, j'ai trouvé le bois. Allez, let's go. Oh, bien joué, mec, ça veut dire que tu vas pouvoir crafter la dynamite. Oh là 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 là. Oh oui, regarde ce que j'ai. Oh là là, il a une dynamite. Sur Jean-Pierre, les gars. Non, t'es sérieux? Non, mais on voit pas sur moi. On voit ça là, ici, là. Non. Non. T'es sérieux? Attends, t'as fait... Tu t'es pas le temps de la tirer, je me suis pris en fait tronche. Oh là là, heureusement que t'étais full vie parce que là t'as pris des dégâts de fou, mec. Franchement, t'amuses. Les gars, je vais crafter plein de dynamite, je vais allumer Jean-Fils. Non, cette fois-ci c'est moi qui prends la dynamite et c'est moi qui fais exploser le truc. Allez hop, je mets la dynamite juste ici. Ok, c'est bon, let's go. Viens là, Jean-Fils. Non, t'es sérieux? Non, tu fais quoi là? Tu fais quoi? Je sais pas, il y a eu un bug. Bref, allez, viens, on s'échappe. Mec, regarde, je vois la liberté, elle est juste ici, mec. Et c'est le dernier niveau, je crois, pour s'échapper. Pour s'échapper, mec, il nous faut une batterie pour alimenter les courants. Ici, il y a un levier. Hop, je l'ai allumé. Regarde. Oh, c'est quoi ce bruit? Oh, regarde en haut. C'est l'hélicoptère. Mec, ce sont nos amis de tout à l'heure qu'on a appelés. Ce sont nos renforts. Let's go. Oh, c'est qui ça? Attends, il y a quoi à l'intérieur? Oh, il y a la batterie, mec. Vas-y, viens activer le courant. Let's go.
Oh, regardez la prison, on va la quitter en direct. Oh, la pauvre prison, bye bye. Attention, là, on va activer le courant et normalement, on va pouvoir prendre la ventilation juste ici. Oh, let's go, Kefko. On a réussi le challenge. C'est la fin de cette vidéo, tu peux cliquer juste ici pour en voir une autre, juste là si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube. Et pour un pas amis, on se dit à la prochaine, tchuss.